Good morning. Allez, Yiden, les soirs aujourd'hui, le Lunishmat, Abraham Mordechai, Ben Israël, Befani et Dora Batester. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions dans le Sechet Kuvot, Perek Aleph, Mishnah, Vavanoset, Aisha, Velo Matzala, Betulim. Yomeret, Mishere, Stani, Nenasti. Veo, Omer, Loki. Ela, Ad, Shelo, Erasti, Chvaya, Mikrim, Ekartaout. Aban, Gemeliel, Rabbi Lezer, Omrim, Neemenet. Abiyoshu, Omer, Lomi, Piadu, Chaim. אלא הריזו בחזקת בעולה עד שלא תתארס ויתעתו עד שתביא ראיה לדבריה. On va entamer maintenant une série de 4 Mishnayot avec un conflit, un affrontement entre l'homme et la femme. Monsieur se lève le lendemain du mariage et trouve que sa femme était Be'oula. Maintenant, il va y avoir en fait 4 formes. Il va y avoir 4 situations et on va voir en fait un conflit avec une femme que nous on lui dit, on va l'accuser de lui dire qu'elle a un problème, elle n'est pas Betula, ou bien comme on va voir qu'elle est tout simplement enceinte, ou on a vu qu'elle s'est isolée avec quelqu'un, et elle va se défendre, elle va dire c'est vrai qu'il y a eu quelque chose, mais il n'y a rien eu de grave. C'est à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, elle va. Alors on commence à clairement d'accord, on va avoir 4 Mishnayot, on va retrouver la même Rabbi. Yehoshua d'un côté, et Rabbi Eliezer de l'autre côté, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer d'un côté, et Rabbi Yehoshua de l'autre côté, il va y avoir la même discussion que Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer va nous dire on va croire à la femme, et Rabbi Yehoshua qui va nous dire non, on ne peut pas croire à la femme. On a 4 situations, donc la première d'abord c'est Anoset Aïcha, celui qui se marie avec une femme, Velo Matzala Betulim, il se lève le lendemain du mariage, et puis voit qu'elle était Be'oula. Hiomeret Mishérestani Nenasti, elle arrive au Bedin, elle nous dit c'est vrai qu'il y avait un problème. Mais j'ai pas été fautive, elle a été violée. Depuis qu'elle était fiancée, elle a été violée. Le Nistarfa Sadecha. Et son champ a été Nistarfa. Il y a eu un. C'est comme si son champ il a été retourné par un ouragan. C'est-à-dire, il y a une règle. Une fois que si l'homme s'est marié avec la femme et que la femme elle a été violée, eh ben il peut pas se plaindre, c'est normal, elle était chez lui. Même pire que ça. Si c'était un Cohen, vous savez, on a déjà parlé de ça quand on a étudié dans les Vamot, un Cohen qui a sa femme qui a été violée. Ben, il est obligé de divorcer sa femme, parce que maintenant sa femme elle a eu une relation de l'histoire, même si c'était pas volontaire du tout, c'était malgré elle, malgré tout ça souille la femme. Il devra la divorcer, mais malgré tout il devra quand même payer la ktouba, parce qu'elle n'est pas du tout fautive dans tout ça. Donc en fait, on reprend la situation. Il s'est fiancé il y a 6 mois, avec les kiddushin. Entre temps, il se marie, après le 6 mois après, il se marie, se lève le lendemain, il dit qu'il a trouvé la porte ouverte. Alors, il lui prétend, la porte ouverte, c'est qu'en fait, elle avait de 2 choses l'une. Soit, maintenant, récemment, elle a fait quelque chose de pas bien. Soit même, vous voulez quand même qu'on soit, mais la Metzrout, qu'on la juge un petit peu plus calmement. Donc, elle avait un problème depuis l'époque. Elle me l'a caché quand je me suis marié avec elle. Aujourd'hui, je vais lui donner un guet sans lui donner la ktouba. Et elle prétend pas du tout. Depuis qu'elle était fiancée, elle a été violée. Donc, en fait, elle doit recevoir une ktouba. Ou même rester mariée s'il veut. Alors, sur ça, la Mishnah me dit comme ça. D'accord, Vinissar Fazalou. Mais alors, Merloki, non, c'est pas juste ce que tu dis. Elle a Adchelo Erastir. Peut-être que c'était lui. Elle lui dit jusqu'à que je t'ai fiancé, t'as eu le problème. Elle a migré mes cartes à route et tu m'as trompé quand tu m'as vendu. Quand je t'ai acheté. En fait, que je t'ai acheté. En fait, tu t'achetais en guise de canette fermée. Mais en fait, la canette, elle a déjà été ouverte. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on donne raison? Alors là, peut-être que, avant de rentrer dans les discussions, on va faire un petit peu le, comment on fait en physique, en terminale, le bilan des forces appliquées. Il y a plusieurs situations d'abord. Et qu'est-ce qu'il y a pu y avoir avec cette femme? C'est important de mettre au clair, parce qu'on va en avoir besoin pour la prochaine Mishnah, et surtout pour tout, c'est pour ça que je préfère avancer tout de suite un petit peu, histoire de vous familiariser un petit peu avec les données. Il y a pas, on croit, on la croit pas, on n'a pas de détecteur de mensonges, on n'a pas de témoin. On a ici un vicouard. Quand il y a un différent, d'abord il faut savoir si. D'abord, là, il faut bien définir, c'est un différent d'argent. Parce que, essentiellement, parce que lui, il a envie de la divorcer sans lui donner une ktouba, et lui, elle lui dit, si tu veux me divorcer, tu peux, mais tu me donnes la ktouba. Donc, en fait, on a un différent d'argent. Maintenant, premièrement, regardez la poigne avec laquelle chacun affirme. Lui, il ne peut pas affirmer du sûr. Il peut juste soupçonner. Il est schéma, peut-être. Alors qu'elle, elle est barrée. Elle a dit non, non, ça se passe comme ça. C'est très important à définir ça. Ça influe dans plusieurs domaines. Barrée et schéma. Un, il est barrée, un qui vient et qui l'affirme. C'est comme ça. Et l'autre, il dit peut-être que c'est pas comme ça.
il a plus de poids, celui qui affirme, mais malgré tout, Bar Yomeshema, ça suffit pas pour s'en sortir de l'argent. C'est-à-dire, si je lui dis, hé, tu me dois 100 shekels. Et toi, tu me dis, je sais pas, je me souviens pas. Je ne me souviens pas que je suis emprunté, je me souviens que j'avais peut-être hésité, mais je sais plus si je t'ai emprunté. Si, 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 tu me dois, tu me dois. Ben, vous ne me devez pas l'argent. Alpidine, vous ne me devez pas l'argent, parce que Bar Yomeshema, l'eau Bar Yadif. Parce qu'on rentre encore dans un vicoire entre deux personnes, c'est une discussion dans la Gemara, mais on va se trancher que l'Av Bar Yadif. Premièrement. Ok, lui maintenant, il vient, il dit. Alors maintenant, qu'on soit clair, qui réclame quoi dans l'histoire? Elle, c'est elle qui réclame, tu me donnes la Ktouba. Tu dis que je suis pas, que j'ai eu un problème, que j'étais pas, que j'étais trompé, qu'il y a eu un problème, tu veux pas me donner la Ktouba. Moi je te dis, écoute, moi tu me divorces, c'est ton problème. Mais tu me donnes tout de suite les 212, mon cher ami. 10 000 dollars, 20 000 dollars, tu me les payes, après si j'accepte ton sort, mon gars. Donc elle réclame en affirmant Bari. Lui, il lui dit, peut-être que je te dois rien. Et lui, il est mourzak dans l'argent. D'accord, on fait le bilan des forces. Donc elle, elle affirme Bari, mais c'est elle qui est motzi. Lui, c'est Shema, mais il est marzik, il est mourzak. Ça, c'est une première donnée. Maintenant, à part ça, qu'est-ce qui se passe avec la femme? Et là, ça, on y arrive dans notre Mishnah. Il y a plusieurs points. Tout d'abord, une femme, elle n'est vierge. Et à un moment de sa vie, il y a eu un problème. On ne sait pas quand ça s'est passé. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a une chazakat betula, on a une chazaka. Vous savez, le principe de chazaka, c'est qu'on soupçonne, on va supposer, c'est une supposition, que les choses ne changent pas d'état jusqu'à la dernière minute. Ouais, quelque chose qui était cachère, quand on achète, quand on égorge un animal, on a le droit de le manger. Entre autres, pour plusieurs raisons, sans vérifier chaque membre, est-ce qu'il n'a pas été taref, on peut devenir taref pas que à cause des poumons. Il peut y avoir plein de raisons pour kavdalet refot, plein de raisons pourquoi quelqu'un, pourquoi un animal avait taref. On vérifie pas tout. Pourquoi? Parce que je suis Bechazaka. Quand il est né, il était bien, il n'y a pas de raison de se dire que peut-être que finalement, dans le cœur, il a percé une membrane. Parce que pendant qu'il est né, il est né avec une membrane nette. Et on continue avec la chazaka sur ça. D'accord, chazaka, les choses ne changent pas d'état jusqu'à qu'on ait une certitude. Selon ce principe, alors, elle est née Betula, elle est restée Betula jusqu'à la dernière minute. Effectivement, mais Réchiré. Donc elle s'est mariée, elle s'est fiancée il y a 6 mois. Elle s'est mariée hier, c'est vrai qu'aujourd'hui on remarque qu'elle est Béoula, mais peut-être qu'il y a eu, en fait, ça s'est passé le plus tard possible, donc ça s'est passé hier, avant d'entrer au mariage. D'accord? Ça, c'est, elle a une chazaka à son avantage. Donc je recommence le bilan des forces. Lui, elle affirme Bari, mais elle c'est elle qui est motzi à l'argent. Lui, il est Shema, mais il est Mourzak. Mais il y a quand même quelque chose qui va l'aider, c'est d'avoir une chazaka qui vient l'aider. Ça, c'est un point important. Et bien, en plus de ça, il y a même mieux que ça. Il y a un principe qui s'appelle Migo. Migo, ça veut dire mitor, du fait que quelqu'un qui prétend une chose au Beth Din, mais qu'il aurait pu prétendre une autre chose, il se serait beaucoup plus protégé, mais il n'a pas prétendu la ta'ana, le propos qui vient le protéger complètement. Il s'est un peu mis dans la zut avec son propos. Alors, ça donne un certain poids au Beth Din. D'accord? C'est un gros sujet. C'est Gmarot, on en parle beaucoup. Donc, dans Maseret Ktubot, quand on étudie Maseret Ktubot dans les Yeshivot, on arrive à Daf Tet de Ktubot, où il y a toutes ces sugyot qui se trouvent là-bas, et il reste là-bas planté à la Yeshiva pendant peut-être 2 mois, 3 mois, à étudier que ça, parce qu'il y a chaque 2 lignes de Gemara avec un Tosfot et des Rishonim, mais ça part dans tous les sens, et c'est l'occasion de faire le tour de tous ces sujets, justement. Quand est-ce qu'on fait Bari Veshema, Bari Adif, Sveka, il y a tout un Daf Tet de Ktubot, c'est bien connu dans les Yeshivot. Je reviens maintenant sur notre sujet, je reprends encore une fois. Il y a donc. Il y a ce qu'on appelle Migo. Migo, ça veut dire, j'aurais pu prétendre autre chose. Là, cette femme-là, quand on dit qu'elle a été violée après mariage, elle aurait pu prétendre mieux, donc, si elle avait été intelligente. Elle aurait pu dire, non, depuis que j'étais jeune fille, j'ai fait de l'équitation, puis je suis venue m'asseoir, et quelque chose qui est rentré dedans, et ça a fait que j'ai perdu les bitoulim. Elle aurait pu prétendre ça. Si elle avait prétendu ça, elle aurait gagné beaucoup dans l'histoire. Parce que maintenant, si elle dit qu'elle a été violée, quand elle nous affirme qu'elle a été violée, alors son mari va la divorcer, elle ne pourra plus jamais se marier avec un Cohen, la pauvre, parce qu'elle était Assoura. Elle s'est mise dans la zut quand elle a prétendu qu'elle a été violée. Elle a choisi de le faire, c'est une certaine preuve. Ça vient faire basculer, c'est pas une grande preuve, mais ça vient faire basculer qu'elle dit juste. Parce qu'elle s'est engagée avec sa parole à se compliquer la situation. D'accord? Si je reprends maintenant ce bilan des forces, il s'avère que, c'est ce qui m'intéresse maintenant, elle affirme que tu me dois de l'argent si je veux me divorcer. J'ai à mon avantage une chazaka. Que j'ai été souillé que le plus tard possible et pas plus tôt. Et maintenant, je t'affirme que j'étais anoussa, ouais, que j'ai été violé malgré moi. Ça m'engage, j'ai un migo, parce que j'aurais pu dire que
J'ai été Moukat Etz, comme ce sera dans la prochaine Mishnah en l'occurrence. J'aurais pu dire que j'ai été Moukat Etz depuis l'époque. Et maintenant, je te dis non, en réalité, j'étais pas Moukat Etz. Je me souille maintenant pour les Kohanim. Alors là, dans ce cas-là, ça fait que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar vont dire qu'elle est Néhémenet. On se fonde donc sur ces deux points-là, sur le fait qu'elle a une Chazaka, avec en plus de ça, le Migo. D'accord? Vous retenez comme ça. Le Migo, essentiellement. Et le Tosefta Tov, il nous parle de la Chazaka. Le Tiferet Israël, il parle de Migo. En fait, les deux sont rapportés dans la Gemara, mais c'est complexe comment, quoi conclure dans la Gemara. D'accord? Mais donc, je reprends. Chazaka, elle est née, elle était vierge, elle est restée vierge jusqu'au dernier moment, donc ça s'est passé le plus tard possible. Donc c'était pas, il n'y a jamais eu de tromperie au moment du mariage, depuis le mariage, je sais que ça s'est passé plus tard. Et maintenant, elle aurait pu prétendre autre chose pour se protéger mieux, elle ne le prétend pas, on lui donne raison à elle, ça c'est la vie de Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua nous dit non, l'homme est pian au Chaim, dans la mesure où elle a joué, c'est pas précisé exactement pourquoi, c'est Rabbi Yehoshua, lui, il veut pas se fonder sur ce Migo, elle a joué la cachotière. Il y a quelque chose, on se retrouve, selon Rabbi Yehoshua en fait, elle se retrouve dans une situation où maintenant, on ne peut pas se fonder sur son propos, on n'écoute pas elle. Et dans ce cas-là, si on l'écoute pas elle, on se retrouve avec une femme qui a un problème. Elle était prétendue être comme ça, il y a aujourd'hui contre la Chazaka, il y a le fait qu'elle a peut-être été violée, il y a peut-être plutôt. Selon Rabbi Yehoshua, on ne peut pas la croire, cette femme-là, elle n'est pas Néhémenet, elle n'est pas crue, parce que l'homipianouchim, nous ne vivons pas. Grâce à sa bouche, on ne peut pas se fonder sur ses propos. Et là, à Rezou Bereskat Beoula, on va la prétendre qu'elle a été Beoula, elle a été Hachelotitas, car on va la prétendre maintenant. Puisque aujourd'hui, tu as un problème, on prétend qu'elle a été Beoula depuis le début, on n'en sait rien. Ça met, et on a un gros point d'interrogation, et il n'y a aucune raison de trancher ça en sa faveur. Et plutôt, il va plutôt partir selon le Mourzak, c'est le point pour Rabbi Yehoshua, c'est en fait là le point le plus important, c'est que le mari, lui, c'est lui qui détient l'argent. Moi, je dois payer, je prétends qu'il y a peut-être un problème. Toi, tu dis, ouais, mais en fait, tu me donnes des réponses. C'est normal, tu vas prétendre tout ce que tu veux pour pouvoir me soutirer l'argent. Mais qui dit que tu as raison? Dans ce cas-là, Amosim Chavro la selon Rabbi Yehoshua, c'est pour ça qu'on va prétendre que, jusqu'à preuve du contraire, on va laisser Bereskat Beoula, elle a eu le rapport à Tchelotidares, depuis avant son mariage, et dans ce cas-là, Veit Atu, et elle l'a trompé. Ça celle de prouver qu'effectivement, elle a été violée de force. Elle trouve des preuves que ça s'est passé la semaine dernière, comme elle prétend. Mais dans le doute, sinon, le mari, il reste en possession de son argent sans payer la Ktouba. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.